j'ai débarqué pour la première fois à La Réunion un jour de mai 2017 sans aucune préparation, je ne connaissais de l'île que le contenu des cartes postales touristiques diffusées en métropole. Son volcan, bien sûr, l'un des plus actifs au monde, et ses pitons, cirques et remparts qui lui valent d'être classés plusieurs fois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès mon arrivée, pourtant, c'est son vernis européen, moderne et occidental que j'ai remarqué tout d'abord. Après 11 heures d'avion et franchissant l'équateur pour la première fois, tandis que je m'attendais à des parfums d'Afrique, ou en tout cas d'ailleurs, mon premier contact avec l'île fut une autoroute bordée de grandes enseignes familières et d'immenses zones commerciales. Plaques d'immatriculation, signalétique, service public, drapeau, tout était en apparence français. Déçu et en manque de dépaysement, je me suis rapidement retrouvé immergé au sein de rassemblements familiaux, religieux ou festifs, dont j'ignorais tout du sens, mais qui me révélaient comme une évidence que sous ce vernis franco-français se cache en fait une nation à part entière, riche d'une langue propre et d'autant de traditions qu'il y a d'influence. Déboussolé par tant de chevauchements entre chinois, arabes, kafres, malbars et yab, hindous, catholiques, bouddhistes ou musulmans, je suis parti en quête de l'identité du peuple créole et de l'âme de La Réunion. Parmi les communautés qui m'ont ouvert leurs portes, la famille Soubadou et les disciples de la chapelle La Misère à Terre Sainte, avec qui je me suis lié d'amitié. Plusieurs fois invités à filmer leur cérémonie familiale en toute intimité et même à partager leur repas, c'est tout naturellement auprès d'eux, à Saint-Pierre, qu'a débuté ma quête de cette identité. Ah ben, merci monsieur. Et alors vous mâchez ça quand vous avez soif? Ouais. Ouais. Ça donne un peu de l'énergie quand on était fatigué. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ah ouais, c'est sympa, il y a plein d'eau. Puis, m'élevant à travers les champs de canne à sucre, les rangées d'ananas et les cultures maraîchères, j'ai découvert une Réunion rurale, agricole et forestière, souvent enveloppée de nuages, et même parfois couverte de gelée. Cette Réunion-là, c'est une terre de montagnes, de vaches et de moutons. Parfois alpine ou jurassienne, et bien éloignée des influences de l'océan Indien, elle n'en est pourtant distante que de quelques kilomètres. Ici, c'est le domaine des Yab, descendants des petits bancs des hauts, des anciens propriétaires jadis dépossédés de leurs terres sur le littoral, suite à l'abolition de l'esclavage. Au fil de mes rencontres, ceux-ci m'ouvriront peu à peu les portes de leur modeste demeure pour me permettre de vous conter cette nation qui n'existe peut-être que dans les cœurs et qu'on pourrait appeler la Créolie. Qu'est-ce que c'est ce monsieur-là? C'est monsieur Latin, distille du géranium. Il distille du géranium? Oui, à l'époque, distille du géranium. Ah, mais comme on a vu, voilà. Moi j'ai vu les,
les alambis. Tu as vu qu'il y avait les alambis? Passez à table, monsieur. Eh ben, merci, monsieur. S'il vous plaît, passez à table. Dégustez un petit gratin. J'arrive à me dire si c'est bon ou c'est pas bon. Gratin de chouchou. Gratin de chouchou, Christophine, ce type pour les métros. Excusez-moi, mais portez-vous comme un petit gars. Maman qui te gratte comme ça, c'est gratte longtemps. Alors, mets-moi un petit peu de café de pays, moi la petite café n'est plus bon. Mets un petit peu de café de pays, ça fait une boutique de sous ça. Soit même dans le tamis, il fait rien. Il prend un café de boutique, puis met un petit peu de sous. Et après ça. Du feu de bois des cases sans âge de Grand Bassin aux pointes volcaniques du Sud Sauvage, des rivages de Saint-Pierre aux prairies des Hauts, je vous invite à me suivre dans ma quête de visage, de patrimoine et d'instant qui fondent, à mes yeux des oreilles, l'essence même de l'identité créole réunionnaise.